Elle faisait le trottoir le long de l'église. Il y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi, en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 7h15. J'étais le dernier à parler de fesses, et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Ce mercredi-là, j'étais en avance. J'avais déserté le cours de français et j'allais me faire une bonne conscience quand j'ai entendu « Salut mon biquet ». Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière, j'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors j'ai suivi en faisant ma prière. Je voulais faire l'apôtre et j'ai fait l'amour. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Et c'est là bêtement, dans cette chambre obscure, dans cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau, c'est là que j'ai connu ma première blessure, laisser mon enfance au porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, de coucher de soleil ou de chant muguet. Moi je n'ai récolté que 3 Notre Père, 2 minutes de remords, 1-0 de français. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure.